الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 264 وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عبوتي وسيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال لجيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيا أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جيا moi et celui qui prend charge un yatim nous pouvons jannat pareil comme ça. Et là, ce qu'il fait, wa ashara bis sababa, li fait un signe avec sur l'index, ça les doigts là, avec le majeur, ça les doigts qui viennent juste à côté de là, il fait un signe avec ça dès les doigts là, wa farraja baynahuma, et il garde une distance entre ça dès les doigts là. Donc, il dit, il fait comme ça avec sur dès les doigts, et il dit, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, moi, et celui qui prend charge un yatim dans Jannat, nous pouvons comme ça. Alors, il y a un commentateur qui s'appelle Ibn Battal, rahimahullah, il dit Haqqun ala man sami'a hadha al-hadith an ya'mala bihi. Ça dit mon qui, quand il tente ce hadith-là, il fait amal l'eau-là, il fait action. Ça veut dire qu'il prend un yatim, il prend ce charge. فيكون رفيق رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. alors les pouvins prêt avec Rasulullah صلى الله عليه وسلم dans jannat. رفيق ça veut dire un camarade proche, comme j'ai dit camarade proche avec Rasulullah صلى الله عليه وسلم dans jannat. ولا منزلة أفضل من ذلك. et n'a pas aucun manzila, n'a pas aucun statut qui plus haut que ça. parmi ban ummati c'est gagne compagnie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Jannat. Comme ça, nous demander tous les jours, nous faire doigt, nous demandons à Allah, murafaqata Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil Jannat, fi a'la jananil khuld. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous murafaqa, ça veut dire qui nous vient rafiq, qui nous vient proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans pli haute Jannat. Et ben sahaba, tu peux dire ben ça, nous tiens à même un sahabi qui lit les suivants et traka, mais là nous ensemble avec vous, ya Rasulallah, tous les jours nous ensemble avec vous, mais quand nous pouvons, c'est là qui peut arriver. Ou pour un grade bien haut dans Jannat, nous pas connaît que nous pouvons être. Alors les suivants et traka qui dans Jannat, les papous trouvent Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les, comment dire, rassurez-vous qui êtes pour ensemble avec lui. يوم القيامة dans Jannat, un jimon li pou reste ensemble avec ce qui li content يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول, celui qui obéit à Allah, celui qui obéit à Rasul صلى الله عليه وسلم, فأولئك سبان جمون لا مع الذين أنعم الله عليهم, زد pou ensemble avec ban qui Allah in fait souffre avec les autres من النبيين parmi ban prophètes. Et nous pouvons ensemble avec nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam wa siddiqin parmi ban siddiq wa shuhada parmi ban shuhada et wa salihin et parmi ban awliya parmi ban jimun pieux wa hasuna ulaika rafiqa et ça ban jimun là qui quand c'était bon j'ai été comme un rafiq. Alors nous retrouvons ce mot là murafaqa rafiq. Alors nous faisons dua qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ça darja là, qui nous ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Jannah. Alors moi, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi et celui qui prend compte un yatim. Kafil ul yatim, c'est celui qui prend responsabilité un yatim, ça veut dire li, bon, nous définir un yatim qui était, c'est un enfant qui li en bas âge, li pas un adulte, li un enfant, donc qui n'est pas capable d'y boutre le seul des pieds, qui se papa fin mot. Un djimoun qui n'a papa, mais qui peine à maman, il n'est pas vraiment considéré techniquement comme un yatim. Peut-être dans le langage courant, nous, qu'a dit yatim, il est orphelin de mère, comme on dit en français. Mais définition yatim dans Sharia, c'est un enfant qui peine à papa.
Pour les animaux aussi, on a fait nous dire yatim, mais les animaux, quand ils yatim, ils peinent à maman. Si on a un mouton, par exemple, c'est son maman, une mot, là, nous nous dit ils yatim. Alors, pour Dimon, pour Insan, c'est qui peine à papa qui appelle yatim. Qui fait, c'est qui peine à papa? Parce qu'il c'est papa là qui fait, qui kafil ses enfants là. Kafil, c'est celui qui prend soin de ses enfants là. Ça veut dire, il donne-lui tout ce qu'il a besoin sur subsistance, sur manger, boire, sur logement, sur protection, sur la case, sur place pour rester, tout ça là. Pas c'est ça qui est un Dimon besoin. Il pas suffit qu'il prend ses enfants là, mais qu'il donne-lui de quoi manger. Donne-lui ce linge. Il n'y pas suffit un enfant, pas c'est ça qu'il a besoin. Un enfant, il a besoin beaucoup les autres quelque chose encore. Il y en a un besoin matériel, il y en a un besoin affectif, il y en a un besoin éducatif. Besoin fait sur l'éducation, pas capable. Leslie grandit comme ça même. L'élève, quand pour délaisser, l'élève là où vous trouvez, il pouvait une qualité du monde qui finalement la société vous repousse. Lui. Alors malheureusement, il y en a des enfants qui ne sont pas yatim. C'est moi, je grandis comme un yatim. Parce que papa là, maman là, dit moi, mes enfants, il y en a tout, moi. Trouver la rythme de lien potable, dernier cri. Mais ce n'est pas ça qu'ils en font, là, bizarre. Comment dire, dépense l'argent, le lit, sans même tout, non. Bizarre, assurer que ces enfants-là, ils n'ont pas dit pour écouter. Il y a un problème qui n'ont pas écouté. Sinon, ils peuvent être camarades, là, camarades-là, pour risquer dans mon cimetière, qui n'ont pas pour content. Ces enfants-là, bizarre, l'éducation, meilleur cadeau qu'un parent qui a donné ses enfants, c'est l'éducation. Les plus importants qui s'en mangent, boire, qui s'en l'argent, qui peut dépenser le lit, là. Un parent qui dépense beaucoup l'argent pour ses enfants, mais qui pas donne l'éducation qu'il besoin, ce qui plie bon qu'il lit, c'est un parent qui paie beaucoup l'argent, les misères, les enfants là privés, mais c'est moi, au moins, il gagne bon l'éducation. Sa deuxième enfant là plie bon. Sa deuxième parent là fait plus bien. Alors, quand on peut occuper un yatim, c'est donne-lui tout ça là, y compris l'éducation, y compris la protection, on peut se dire faire dominer parce qu'il y en a beaucoup, on peut se exploite situation ban yatim. Et quand Astella, sa yatim là, ce parent fin quitte l'argent en héritage, bien capable préserve sa l'argent là. La charia qui dit, comme elle était clairement dans le Coran, sur An-Nisa explique ça bien clairement, c'est qui bien garde sa l'argent là, attendre que ses enfants là, ils gagnent un âge que ils capable gère sur l'argent lui-même. Les là, donne-lui sa l'argent là, donne-lui sa du bien. Bien, il y a des gens qui viennent de l'avant, qui viennent protège ses enfants là, qui vient protéger ses enfants-là sur l'intérêt, qui vient protéger ses enfants-là sur du bien qui ses parents finissent quitter pour lui. Alors, avant qu'il tienne, c'est qui un membre de la famille, comme un yatim, là, comme un membre finement, je viens, je suis à capot, je dis bien, je suis allé, madame veuve avec yatim, pas connaît qui vous faire. Alors, qui madame veuve, il y a un droit pour lui, yatim, il y a un droit pour lui, il y a un droit à l'héritage, ça va nous faire là, il est bien, bien défini. Donc, il y a beaucoup yatim, aujourd'hui, dans l'entourage, il y a. Et a même ban dimoun qui peut-être je pas cave get un yatim bien aziz kazed, mais au moins je contribuer dans un fond qui aide ban yatim. La société, il y a une responsabilité de la société pour get sa ban yatim là, pour qu'il jette, pour get jette l'éducation. Nous get un deuxième hadith, donc hadith 265, qui dans même direction, wa an abi hurayra radiyallahu anhu, apporté par Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, قال, il dit qui قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء كافل اليتيم له أو لغيره أن celui qui occupe un yatim, donc qui prend sa responsabilité, له أو لغيره, له qui veut dire comme Imam Nawawi expliqué قريبه أو الأجنبي منه فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته. Ça veut dire celui qui occupe un yatim, là où pour lui ou soit les غيره ou soit pour autre qu'il est. Donc si nous comprenons littéralement, nous pouvons dire là où ça veut dire ce yatim. Enfin là ce papa pas là, ce papa pas qui occupe lui. Là où ici veut dire une famille proche. Ça veut dire quand nous get quand on a le droit de yatim pour occuper, nous get dans nos familles avant. Nous pas qu'à aller loin, car dans nos familles, on a un yatim qui mérite l'attention. Alors là où, ça veut dire où soit, c'est une maman qui peut occuper ses enfants. Comme on dit à l'heure là, yatim, c'est elle qui peut à papa. Donc si maman là, la même, lui compte yatim. Il faudrait pas tous les deux absents pour lui compte yatim. À ce là sa maman là, quand son monsieur une mot, ses enfants là, une yatim,
responsabilité là vient lourd au moment là. Mais la maman qui le fait, il prend sa responsabilité là lui-même, il donne aux enfants là ce qu'il a besoin. Il prend sa challenge là lui-même. Ça c'est un grand travail ça. Alors là sa maman là il gagne sa savab là. Il est ensemble avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc kafilul yatim, c'est pas juste étranger, c'est pas juste un dimon qui sorti depuis loin qui vient, non, maman là aussi capable d'amener sa rôle là, lui aussi il est capable de gagner sa daraja là. Ou soit jadduhu ou soit son dada, un dimon son garçon finmo et ce garçon fait une petite bantise enfant dada là, donc il prend responsabilité sur bantise enfant là, il assure qu'ils gagnent tout ce qu'ils besoin. Et ou akhuhu ou soit sa dimon kinmo là son papa, son frère. Ça veut dire un tchatcha qui occupe sa bande yatim là, ou soit yatim là, son frère lui-même. Un djimoun, son papa finmo, lui grand lui. Lui est là, son moyen subsistance, mais c'est moi, il y en a un petit frère qui sert. Papa qui t'y est occupé. Alors, lui vini, il prend responsabilité sa bande frère qui sert là. Ou gairuhum min al qaraba, ou soit n'importe qui s'en là, qui dans la famille proche, qui vini, un mamou, un tchatcha, un tchati, n'importe qui s'en là, qui vini dans la famille, qui prend responsabilité, sa ban yatim là. Et, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit, ana wa huwa, et moi, et tsadimun là, kahatain fil janna, et donc, il paraît comme ça dit là dans jannat, wa ashara ar-rawi. Ar-rawi, c'est lui qui rapporte sa hadith là, ça veut dire il est dans la chaîne de sa hadith là, wa huwa Malik ibn Anas bis-sababati wal-wusta, il montrait comment il se trouvait allé là as-sababa avec al-wusta, il vient nous parler comme ça. Et donc on trouvait ici qui en parmi saban rawi, ça veut dire dans la chaîne de transmission, et là imam c'est qui nous appelle Malik bin Anas radiyallahu anhu. Malik bin Anas, nous connaissons un sahabi, grand sahabi qui s'appelle Anas bin Malik, radiyallahu anhu. Ça n'a là les différences, c'est Malik bin Anas. Il appelle Malik son papa Anas. Qui s'en là ça, c'est le grand imam, deuxième parmi ban imam al-Aimma al-Mujtahidin, premier grand imam, imam al-A'zam, al-imam al-A'zam, c'est imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Deuxième imam, c'est imam Malik. Lui-même, c'est Malik bin Anas rahmatullah alayh. Alors lui, il dit né dans Madina, il fait une intégrale dans Madina, il fait une reste dans Madina, donc, ben, Dimon appelle l'imam Ahlil Madina, et il est un grand alim, donc, il fait une fonde sur l'école de fiqh, qui nous appelle l'école Maliki Azodi, parce que c'est l'école fondée par l'imam Malik bin Anas, et donc, il est un grand imam, il vit près de 90 ans, et pendant ça, le temps qu'il fait vivre là, il fait amène énormément de contributions dans l'ilm, surtout dans le fiqh. C'est un grand faqih. Et aujourd'hui, une grande partie du monde dans l'Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis Mazhab Maliki. Nous avons beaucoup de monde dans mon pays arabe. Nous avons surtout l'Afrique du Nord, côté Maroc, Algérie, tout ça là, un petit peu dans l'Europe. Donc, la majorité de ce monde là, je suis Maliki. Et donc, Imam Malik, nous pouvons trouver qu'il est même un yatim. Nous avons un grand ulama, Imam Malik, c'est un yatim. Jimoun fin prend les comptes, fin grandit, les produits qui fin gagner. Imam Al-Bukhari, par exemple, rahmatullahi alayh, il est un yatim. Jimoun fin prend les comptes, il tient avec l'Ola, après il fin gagner ce léger. Et il y a beaucoup de par exemple, Imam Jalaluddin Suyuti, c'est un yatim et c'est un grand ulama qui fin mettre, qui fait contribuer une telle qualité dans fiqh, dans hadith, qui aujourd'hui nous encore peut bénéficier avec ce travail, le monde entier peut bénéficier avec ce travail. Alors, peut-être dans sa yatim là, il y a ben, les étoiles qui peuvent sortir, il y a un grand djimoun qui peut sortir, qui peut faire un grand travail, il y a un awliya Allah, il y a un grand djimoun comme ça. Alors nous faisons doigt, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfir, occupe man yatim dans une façon, soit dans une autre, et qu'il y fait nous gagner sa darja là. C'est un darja extra grand, pareil comme Ibn Battal, rahmatullahi alayhi, dit, hein, la manzilata afdala min dhalik, pena aucun manzila, pour banjimun comme nous, pena aucun grade qui plus grand que ça, qui nous ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawmul qiyama. Donc, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa darja là, malgré tout, qui nous pas mérite lui, mais qui Allah par son rahmat, lui donne nous, lui fait nous arriver sa statue là. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين